ou t'as pour Kounia, c'est l'armée dominicaine, je t'ai mis pour interdire Haïtiens de rentrer en Haïti. Ou bien pour quitter ou rentrer en Haïti avec plus de difficultés. Mm-hmm. Donc ça, il rentre dans le jeu géostratégique. Mm-hmm. Il est très clair que les États-Unis ont un plan qui allait seulement dans le sens intérêt en dans le chaos qui a fait bagarre en Haïti. Mm-hmm. Par exemple, il y a un bagarre qui fait nous croire. Il fait nous croire qu'il y a peine des forces de police pour capable résoudre les problèmes qui sont là. Or, nature problème nous gagne là pas capable résoudre avec ni savoir-faire ni technique quelle que soit la police à travers le monde. Mm-hmm. Pour qui ça? Monsieur Badi que nous gagne, ils sont sérieux de monde qui sont des civils. Yo anda un corps social côté yo gagne ou gagne doit gagne 10,000 monde qui vivent là et puis gagne 50 et 10,000. Mais groupement dit ça qui est minoritaire. Il y a deux rapports avec la population. Premièrement, il y a été grand dans la population, moun dans la population, il connaît, c'est petit, c'est cousin, c'est ami. Donc, il y a une relation affective, une relation moun à moun entre eux. Deuxièmement, il y a un pouvoir de domination par l'argent et par la violence. Mm-hmm. Parce que là où il y a assez souvent le fait ça, c'est eux-mêmes qui baillent moun yo manger, c'est eux qui baillent aux soins de santé, c'est eux qui baillent au corps à l'école. Donc, il y a un manque de mélange qui fait entre eux. Il y a deux formes de domination. Une domination psychologique par la peur et une domination psychologique par l'assimilation, par la ressemblance, par l'interrelation humaine qui est entre eux. Mm-hmm. On ne peut pas ça, ou pas capable de résoudre avec des méthodes policières pour qui ça? Là, la police intervient d'un côté, la police intervient d'un côté qui a un problème. Mm-hmm. Puis intervenir, il résout le problème qui gagne, il stoppe le monde qui a pas de problème, il prend le monde et puis il mène la police. Je ne sais pas si vous remarquez, M. Bandio qui premier bagaille il a attaqué l'infrastructure de justice pays. Mm-hmm. Ce n'est pas un bagaille qui fait au hasard. Son bagaille qui rentre en dans un plan stratégique bien déterminé, par exemple, pour écraser prison. Mm-hmm. Parce que l'homme fait infraction. La police vient venir pour le prendre. Je dis, allez, la police prend un monde côté la lavette. Là, elle mette le garde à vue parce qu'elle n'a pas même au tribunal pour le mener à aller pour mon aller expliquer devant le juge le problème qui passait. Mm-hmm. Donc, stratégie, bandio, ce n'est pas stratégie que mon ouen dans la rue, qu'elle fait ça, que vous pensez, ou même que l'autre monde qui passe, c'est toute une infrastructure de pensée et qui est stratégique. Par exemple, le plus haut. Approvisionner peut-être en armes, en munitions. Ce n'est pas des gens qui ont tiré dans l'arrière qui pensent ça. Mm-hmm. Et on l'autre qui a un contact, qui pense et qui fait un commerce à partir de là. Et son commerce partagé entre des mafieux locaux et des mafieux étrangers. Mm-hmm. Donc, l'intérêt que vous avez dans ça, son business, il n'y a pas qu'il y a une femelle. Maintenant, l'État lui-même limite colle tout doucement, il part. Il n'est pas rentré dans ça. Et d'ailleurs, ouais, c'est l'État qui a la naissance. Mm-hmm. Où songez, Madame Lanim, ensemble avec le président Jovenel Moïse, ça a commencé sous le président Jovenel Moïse, ils ont même mis une stratégie côté où ils ont que leur fédéré gang, ça va permettre de contrôler la sécurité à plus. Mm-hmm. Bagay la vini en dedans, ils ont bagay pernicieux. Ou qu'on ouait une lettre avec un citron qu'on a mélangé, c'est ça qui nous là. L'État pas supposé n'en conciliabule avec bandit. Mm-hmm. Jou l'État rentre n'en conciliabule avec bandit, c'est bandit qui a vint chef là. Mm-hmm. Parce que l'État vient mettre sous l'ordre, j'ou n'en qui a fait ou bagay que lui-même lui besoin faire, mais que le pas cap fait. Mm-hmm. Par exemple, que des besoins bandit à un certain moment pour contrôler. Zone ghetto, parce que c'est là qui gagne plus de monde, pour moun yo kap pas sorti à faire manifestation contre le pouvoir. Mm-hmm. Donc, le pouvoir, te comprenne, li te gen intérêt, non, mette infrastructure banditiste ça. Ou son, j'ai tout le temps à vivre la Gounial, j'ai commencé avec bagay qui te passé dans la Saline, avec massacre la Saline. Mm-hmm.
Mais nous avons des photos côté de gagner des monde qui sont responsables dans l'État ou bien tout proche de monde qui est responsable dans l'État. Côté de gagner des photos physiquement dans la zone ça. Donc c'est un bagage, c'est deux monde qui dans l'État qui vont dériver et puis dérive là, vient perdre du contrôle. Parce que d'un côté monde qui bandit à privé ou pas bien contrôler encore quel que soit santé et que tu bal ça. C'est même j'avais un petit monde mal éduqué ou pas empêcher de un jour manquer de respect en public. Oui, c'est ça qui a privé là. Maintenant ça vient arriver non vient non pointel que lui mandé en pile intelligence, c'est ça qui là lui qui a résolu. Et pour ça qui a résolu c'est dans dynamique et wash là. Quelque puissant que on wash capable l'offre une voyelle. L'aile atteint un projet, elle vient tomber tout non pour mort. Par exemple, m'a suivi un pile message audio que monsieur qui m'a dit intermédiaire, parce que c'est pas un vrai bandit. Et il a fait interview, il a prévoyé vidéo, etc. Et moi-même, je n'ai pas lecture, bagaille à faire, c'est de menaces réelles. J'ai des gens qui atteignent un certain niveau l'argent, qui t'a aimé. Parce qu'il ne faut pas comprendre que nous qui un petit peu, je parle aux bandits intermédiaires, nous connaissons les chefs bandits, ben, ou vrais chefs bandits, non? Mais il y a des gens qui ont compris, nous avons des gens qui ont compris, nous avons mal joué là, nous avons mal dans belle lambe, dans bel hôtel, dans bel match, dans bel cinéma, mais des belles ratsou, dans vivre dans pays normal. Parce que ça, c'est dynamique l'argent lui-même. Nous venons retrouver nos prisons tous les mêmes. Parce qu'il y a vivre dans la clandestinité aussi. Et il y a vivre avec une menace permanente sous vie. Et ils sont conscients de ça. Par exemple, là, sur vidéo, il y a un monde qui m'a fait une vidéo la semaine dernière. Là, il dit, bon, Laurent, je n'ai pas de là. Ou déjà connaît qu'on a deux routes, et c'est ou bien ou aller en prison ou bien mourir. Ben, c'est un témoignage qui témoigne de conscience que le connaît côté lié là, c'est bon bagage qui t'a fini bien. De toute façon, vivre comme un citoyen normal au quotidien, n'est pas de possibilité. Ça, lui, puis en prison mentalement parce que nous, c'est la fois des fois, il y a des gens qui ont été enragés. Donc, il y a des gens qui analysent les bagages là, ils prennent à partir de la peur que ça a dit yo, et ça a fait yo, inspirer. Yo. Mais ils n'ont pas, ouais, c'est une expression d'angoisse, c'est expression en forme de peur, c'est expression, c'est une sorte d'appel au secours, il dit. Maintenant, comme nous avons l'État qui est totalement défaite, et grand pile moun k'ap pense à la situation gen la, premier bay qui vient dans tête yo ki moun yo ta joine qui ta prend zam qui pou ta touye bandi. De vous rentrer dans réflexion sur que t'as perdu bataille là. Parce que pas jam k'ap pi bandi parce que bandi a lui même. C'est deux esprits qui différent. Par exemple bagay ou yo dou et dernièrement ou les États-Unis vin là, alors li prend pause. Dit qu'il vient pour le cap protéger les ressortissants, protéger l'espace physique ambassadique qui sont des territoires pays. Là, il vient, est-ce qu'il devine ça avec la police? Il devine. Il n'est pas venu avec la police. Par exemple, où est France, il a évacué les citoyens français au Guinée. Là, où est-ce qu'il vient avec un bateau, avec des hélicoptères de guerre. Pour qui ça? Parce que c'est ça qui répond à problème que nous gagnons. Donc, affaire à faire nous signer un papier dit pour la police venir, c'est de nous faire blague. Parce que mode opératoire, la police a venu résoudre le problème, après ça, rentre dans la caserne. Mode opératoire, situation est là, demande premièrement pour attirer la zone, jusqu'à ce que vous réduisez le monde qui est dans la zone à l'impuissance, demande autant. Demande en pile matériel, demande en pile être humain, à moins que c'est un massacre ou un trophée, on ne peut pas faire un massacre. Tout l'autre, il y a des troupes à venir, mais même des troupes qui ne peuvent pas venir.
c'est soit analyse peuple ça me fait nature problème qui gagne là il gagne une seule solution ou résoudre psychologiquement ou mettre situation dans une situation où venir inopérant on va le faire ou pas chercher tuer ou rendre inopérant ça mando une opération de masse. Ça veut dire que telle la journée que le nuit les bandits a fait ça il va plus sortir dans la rue là regarder d'ailleurs les bandits a sorti ou va sortir comme ça yo gagne des antennes qui contrôlent la rue là. Par exemple si ouais des structures là mais structure la police qui là yo bay message ah monsieur va sortir nous moi monsieur campé jam yo va sortir grand coup mon fou. Là où ils sont sortis, ils ont un travail de reconnaissance. C'est ça, ils sont dans l'armée. Ils ont balisé le terrain. Ils ont recueilli des informations pour positionnement force légale. Et puis là où ils sont pas là, ils sont sûrs pas là, ils sont rentrés, ils ont agi. Il y a un peu de bagage. Bon, je ne sais pas même qu'ils disent qu'ils sont intelligents, c'est ça, ils ont fait dans le métier. Ils ont balisé les zones. Et des fois, ils ont même connu dans qui position. Force qui sont terrain prépositionnée et dans la zone où elle est faible, ils rentrent à la gila, ils font ce qu'on appelle dans le langage militaire des raids, ils rentrent et font une opération durée entre 30 minutes et 2 heures du temps, et puis ils oublient. Parce que ça n'a pas été trop légal, ils ont le temps pour réagir. Parce que pour réagir, il faut premièrement déterminer qui est bon problème. Là, nature problème, c'est avec une force qui est en présence, qui quantité de monde, qui quantité d'âmes, et qui ça fait côté. Ensuite, sous des géolocalisations déjà, ça prend autant de réactions de plus de 2 heures de temps. À moins que vous êtes prépositionné. On nous a fait prépositionnement. On va dire moins bandit sorti dans la rue si il y a un cadignage. Sécuritaire qui là, il va faire le pape sortir. Parce que il n'y a pas voulu aller dans le gourmet avec force l'État. Donc, il y a agi comme ça parce que il n'y a rien qui fait. Maintenant, pour l'État à faire ça, il demande un pile d'entraînement, un pile monde, un pile moyen intellectuel et un pile moyen physique. Généralement, il n'y a pas utilisé le moyen ça en Haïti pour faire ce genre de travail ça. Stratégique, organisationnelle et opérationnelle, bien ça a une analyse évolutive. Ça veut dire que pour donner problème qui est devant lui, c'est l'île analysée. Situation qui a eu hier, par exemple, c'est pas situation qui a eu aujourd'hui. L'un de la situation sous président Jovenel Moïse, solution était plus facile. L'arrivée sous Dr. Ariel Henry, il vient dégrader avec un niveau de gravité, mais qui a un témoignage, qui a le témoignage de conviction que les gens qui ont des amis ont gagné, que n'ont pas gagné rien en face. Pas gagné en face, ça veut dire que vous avez gagné sentiment. Que moun ki ta pou en face yo a avec yo. Se pa gen yo pa gen conscience de ki sa on l'état yé et de ki sa l'état ta fait pour le faire. Mais il y a image ou l'école et tout ti moun yo sous la cour récréation, pa gen professeur, pa gen directeur, pa gen surveillant général, pa gen censeur, pa gen personne. Et comme si nous savons. Yo non savane. Donc là ça yo fait ça yo vle, là yo vle, j'a vle. Pour qui ça? Parce que yo sûr que tout le monde qui t'a metté l'audio pas là ou bien si yo là yo pas intéressé à mettre l'ordre ou bien yo pas idée des ordres. Parce que ça passe en Haïti a pas aucun l'état. Aucun l'état au monde ça qu'a passé si monde qu'a fait ça qui pas gain conviction, yo pas gain rien devant. Yo pa gen devant gen deux cas cap fait. Par exemple moi quoi jodi a et yo pa même besoin tuteur encore. Yo sûr que
l'État vient arriver dans un niveau d'incapacité que même s'il t'a voulu réagir, il n'y a pas de moyen pour réagir, il n'y a pas de capable réagir. Et ouais, le par exemple des entités dans l'État, par exemple la police nationale, ou bien des fois, dans un mixage police nationale et l'armée, prend une position face à une situation où automatiquement gagne un tempo qui mettait. Après, comme exemple, on a plusieurs tentatives qui fait pour faire une prise du palais national. Là, on sentit qu'il y a du monde qui dit non, ça n'a pas fait. Et automatiquement, on a un tempo qui mettait. Pourquoi ça? Parce que le monde qui a réagi dans l'insécurité, ce sont des êtres humains que vous y a pas fait une fournette. Pas d'un être humain qui paraît aimer la vie. Pas d'un être humain qui a accepté le principe de la mort. Et plus on est chaud pour porter la mort dans le camp, c'est plus humainement qu'il perd la mort à lui-même. Donc, s'il n'y a pas d'un bagage qui est capable de faire sentir une menace, eh bien, la validité, j'aimerais quoi que c'est dans le cas famille. Colonel Rebu, et vous dites de bail là qui attire attention, ouais. Et ça permet que dans le débat qui dans la société a permet de me poser une question, ça vous dit que, et messieurs les civils, alors, messieurs dames, qui sont illégalement armés, je dis à qui, ou ta cap dit en quelque sorte, cap mener la danse, qui fait ça et vous voulez, yo gagne sensation que vous pas gagne moun en face, yo pas gagne autorité qui a réagi. Est-ce que ça est ta bay raison à de moun qui pensait que pendant longtemps dans la société, a gagne en absence de volonté politique de la part de nos dirigeants pour résoudre question sécuritaire que n'y est là, colonel Rebu? Non, mais depuis le commencé, parce que son bagay qui commence à un côté, qui vient développer, qui vient évoluer. Depuis l'aile commencée, c'est moun qui t'a doué empêcher le fait yo initial. Pas qu'il y a aucun pays côté des hommes incapables de gagner des âmes concernant yo et pour pas l'État opposé à ça physiquement. Non. Non. Et en Haïti, nous gagnons très certainement, alors, Gomba est pour nous connaître tout. Ça a fait là, il y a un gros cinéma là-dedans tout. Parce que là où est un phénomène d'insécurité devant, ça où est un gain de l'assassinat, il y a un langage de guerre, il y a un écran de fumée. C'est un bagage qui fait, qui pour barrer la vue, pour pas où est un autre bagage qui est plus important. Par exemple, et ouais, et bagay ka fait, et tue moun, massacre moun, l'on va répondre à arriver, c'est le bagay qui crée un choc dans la société. Laisse à l'esprit tout le monde aller là. Pendant l'esprit aller là, ça doit être fait pour l'esprit aller là, justement, pour mettre toute énergie, toute attention sur ça, parce que c'est un bagay qui est plus important qu'à régler. Moi, pas rien donner, non même. Moi, pas rien donner. Même des convictions, toute mécanique et sécuritaire, chaos qui met en Haïti, l'a couvert de gros trafic beaucoup plus important, qui a donné en pile l'argent en matière de criminalité transnationale. Cela veut dire activité de drogue, activité et disparition de personnes à des fins d'utilisation d'organes, et de gros activités économiques et financières. Et laver de l'argent sale. Généralement, là où les gens de bagage sont arrivés dans le pays, ils ont servi de couverture à de gros trafics comme ça. L'État, toute énergie allait vers un seul bagage là, ou pas de temps pour ni ouais, voir pour t'occuper de l'autre bagage qui est important. Colonel Rebu, et à côté de ça, on dit là, comme si des bagages ont gagné de son tacabri de l'invisible. Et hypothétiquement, on se débat de trois éléments. Et dans le sens que pour vous-même, c'est un débat qui est capable de cacher et de gros trafic que le monde pas capable en réalité. Mais je m'a parlé avec un ami récemment qui dit un bagage.
il dit que gros bagaille que pas comprendre dans ça qui a passé là. Ça le pas comprendre c'est que le gouvernement américain limitait un programme Biden qui facilitait que des milliers d'haïtiens quittent le pays. Des monde qui dans situation qui sont pas arrêté. Mais parallèlement deux monde qui dans classe moyenne plus ou moins qui dans business qui besoin faut voyage qui besoin à l'hôpital, y a besoin visa, y a pas qu'à jeune. Donc alors que les mêmes les États-Unis la râlé moun allez. Mais mettez sous ça moi même dit ajouter à zanmi, me dit bon l'État ici a tout besoin zam, li yo mettez l'embargo. Parallèlement, toute majorité zam qui gen ka rentre en Haïti, c'est les États-Unis ou sorti pour alimenter ces civils illégalement armés. Donc dans sens ça et l'op gade deux éléments ça yo moun qui besoin le visiter pour aller faire règle avec quelqu'un pas qu'un visa l'état haïtien besoin zam pour combattre ces bandits là yo pas qu'à joindre alors que bandi yo même ces civils également armés yo joindre. Est-ce que ça va rentrer dans un plan global justement pour détruire pour finir avec Haïti colonel Ribu et gain de livre qui écrit sur ça. Pas jamais gen un gros chaos comme ça dans le pays sans que li pas obéi à des intérêts extrêmement importants pour le pays. Et d'accord, il y a l'autre pays, puis cap des strates dans la même société, c'est comme d'accord, la mécanique de l'écran fumé. Bagay cap fait là, il est capable de faire pour des intérêts stratégiques d'une extrême. Ou pas remarquer. Depuis près de ça, plus de deux ans, que les États-Unis rentrent dans une mécanique, la phénomène des forces pour venir bloquer bagay qui là, li dit lap, et puis lap, va jamais arriver. C'est que dans la réalité de la chose, ça qui a privé là, pas dérangé. Et quand l'MD font une étude, écoutez, m'a dit que nous avons des gens qui allaient l'acheter en poison.